Bien, merci. Donc, le premier point de l'ordre du jour concerne la communication au conseil municipal du rapport d'activité 2018-2019. Monsieur le maire. Du contrat de partenariat public-privé. Juste avant de commencer, il me semble que la France ayant perdu 13 militaires aujourd'hui dans un accident, je crois que ce conseil devrait débuter avec une minute de silence en leur mémoire. Oui, on a prévu de faire ça juste après cette information, justement, si je peux terminer juste, mais merci, on est d'accord là-dessus. Donc, il était prévu au premier point d'heure du jour la présentation du rapport d'activité 2018-2019 du contrat de partenariat public-privé éclairage public avec le groupement Citellum Sogetralex en Schiste. Donc, je voulais vous informer effectivement que du fait que le groupement n'a pas a fait une erreur sur les dates, il ne serait pas présent aujourd'hui. Donc, ce premier point est retiré de l'ordre du jour. Et j'allais vous proposer effectivement donc que, eu égard aux événements tragiques de ce jour, nous procédions ensemble à une minute de silence. Donc merci Armand de me le rappeler. Je vous propose de vous lever. Avec une pensée particulière pour ces jeunes. Donc le point, pour prendre l'ordre du jour, le point de concernant les institutions et la vie politique concerne l'approbation des procès-verbaux du conseil municipal des 30 juillet et des 7 Monsieur octobre. Monsieur le maire. Excusez-moi. 2019. Même si le rapport n'est plus à l'ordre du jour, et j'avais un problème par rapport au numéro d'astreinte. Oui. Donc je comptais poser la question. Oui, il n'y a pas de problème, pose-le. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, le problème, c'est que rue Paul-Henri-Vergne, il y avait un candélabre qui ne marchait pas, et un candélabre aussi au square Jean Moulin, des deux côtés. Donc j'ai appelé le numéro d'astreinte, on m'a répondu que c'était pas une urgence, qu'il fallait que je voie les services techniques. J'ai vu avec les ateliers, M. Mazot, qui m'a dit, mais non, ils auraient dû répondre immédiatement. Donc ils ont fait le nécessaire. Sanchis, j'ai vu le camion qui est venu, et puis ça ne marchait toujours pas, donc j'ai rappelé. Ils ont tiré un fil d'un candélabre que j'ai en face de chez moi jusqu'à celui du fond de la rue. Mais celui qui est au square Jean Moulin ne fonctionne toujours pas. Voilà, je voulais le signaler. Vous voulez préciser quelque chose ? On prend acte ? Merci, il y aura une réponse demain à ce sujet. Merci pour le signalement. Donc le premier point, c'était la communication des procès-verbaux des précédents conseils. Est-ce qu'il y a des observations particulières ? Oui. Juste une, qui n'est pas une observation, mais qui est un droit de suite sur le compte rendu du 30 juillet, où on avait posé une question au sujet du moulin de Castelnau et d'un courrier de deux Pissénois qui vous avait été adressé. Il avait indiqué qu'ils auraient une réponse et ils nous ont signalé hier qu'ils n'avaient pas de réponse. On a regardé, j'ai eu Gérard Monnet, hein, qui fait partie de ces deux Pissénois, et donc j'ai transmis effectivement la demande à nouveau. Ils sont en train de regarder comment ils vont faire une réponse. Il y avait une demande aussi de M. Monnet concernant les traitements de la biométhanisation qui est en cours avec le SICTOM. Sinon, sur les PV en tant que tels, pas d'observation. Donc sur ces PV, qui est contre, qui s'abstient? Donc le point suivant de l'ordre du jour concerne le domaine et le patrimoine, cession de terrain à la SNC Lidl. Donc sont parmi nous les représentants de la société Lidl. Je vais laisser le soin à ces messieurs de se présenter et de présenter leur projet, en sachant que donc c'est un projet ancien et M. Doumenc commence à devenir une vieille connaissance, puisqu'il y a une vingtaine d'années qu'il cherchait un terrain pour sa société sur la ville de Pézenas. Donc je vous laisse vous présenter, M. Doumenc, je vous en prie. Bonsoir à tous.
Voilà, donc merci pour cette présentation. Donc rappeler effectivement ce volet urbain était important. Sur l'emploi, donc vous avez une création de combien d'emplois? Voilà, une vingtaine d'emplois, hein, je vous laisse le dire, je le sais, mais derrière, j'avais noté également, donc, en fait, ça correspondait, on passe de 700 mètres carrés à 1600 mètres carrés, avec 800 à 1600, avec la disparition sur Pézenas récente de deux moyennes surfaces avec le Leader Price Dia et le Netto. Et également, donc, moi, ce qui me paraît très important, cette dépollution que vous avez évoquée. Et le prix de cession, qui est un prix que vous avez proposé, qui est, très correct, eu égard aux contraintes du site. Donc, je le dis tout de go, puisque vous avez vu les conditions de cession. Donc, on n'avait pas du tout ce type d'offre jusqu'ici. Donc, on a un projet qui est un projet qui a été... donc voté, comme vous le rappeliez, par la commission départementale d'aménagement commercial à l'unanimité, département, association des maires de l'Hérault, communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, ville de Pézenas, consommateurs. On a eu les 5 voix sur 5 pour ce projet-là. Sur le PUP que vous évoquiez, le partenariat d'utilité publique avec le département permet une bonne fin de ce projet. Donc je pense qu'il faut remercier le département pour sa contribution. Voilà. Donc après, bonne chance. Hein, on va procéder au vote. Mais je pense que c'est un projet qui est attendu depuis longtemps pour Pézenas. En ce qui concerne la friche, pour la bonne intelligence du conseil municipal, la friche de l'actuel Lidl, puisqu'on va se retrouver avec une friche sur... On travaille actuellement avec le département, le CAUE, dont la présidente est ici, la région, l'État, sur la traversée de ville. Et donc, il nous faut trouver un point chaud au niveau et une accroche forte au niveau de cette friche-là. Donc je proposerai au conseil municipal de réfléchir sur la création d'une halle aux antiquaires. J'ai commencé à tester avec quelques antiquaires locaux. Et ce projet de halle que nous allons tenter de multiplier dans la ville, puisqu'il y a la halle aux antiquaires, il y a également un autre projet dont je vous parlerai tout à l'heure, qui me semble intéressant pour la ville de Pézenas suite à la rencontre avec la direction générale avec des finances publiques. Une halle aux antiquaires pourrait être un équipement public retenu dans le cadre de l'évolution de la ville de Pézenas. Donc un projet global qui peut permettre demain aussi d'animer la traversée de ville et nous permettre d'avoir réellement une vitalité importante en cœur de ville, cette halle aux antiquaires, pour en faire aussi un point chaud dans la ville, parce que c'est un lieu où on peut faire le soir un petit café culturel ou des choses comme ça, des points dont nous avons besoin pour la vie nocturne de la ville, puisque nous manquons, et là on est assez loin des habitations, avec une protection de ce lieu. Donc l'abandon de ce lieu par Lidl peut permettre demain de créer en cœur de ville un vrai projet, en attendant de réfléchir au devenir de la cave coopérative voisine, qui est aussi quelque chose qui nous préoccupe et qui est important pour la ville de Pézenas. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Puisque vous avez, avant de peut-être parler du projet, de la façon dont il se réalisera, mais vous venez de faire une annonce sur une halle antiquaire ou un point chaud. C'est d'ailleurs ce que nous allions vous proposer, qu'on s'assure que les mètres carrés existants du Lidl actuel et bientôt dépassés ne deviennent pas des mètres carrés commerciaux, mais il faut qu'on ait les outils juridiques qui l'imposent. C'est-à-dire que cette délibération doit être assortie d'une autre délibération, ou en tout cas que noir sur blanc il soit écrit que l'intention de ce conseil municipal, c'est dans la révision générale du PLU, de mettre là un emplacement réservé. Exactement. Un emplacement réservé que vous n'avez pas mis à ce jour. Donc il faut que dans cette délibération-là, telle qu'elle sera rédigée, partir à la sous-préfecture, il y est marqué qu'en contrepartie, le conseil municipal s'engage à ce que dans la révision générale qui sera votée certainement dans les semaines ou les mois à venir, il y ait un emplacement réservé pour qu'on soit sûr que le propriétaire, s'il devait vendre, ne puisse pas vendre, ou en tout cas pas pour n'importe quoi, et que nous, on ait les arguments pour exproprier. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est écrit dans la note de synthèse. Et ça, il faut soit écrit noir sur blanc, et noir sur blanc sur la délib. C'est-à-dire que ça aille au contrôle de l'égalité, que ça ne s'arrête pas au compte-rendu du conseil municipal. Il faut que vraiment il y ait un engagement fort de ce conseil municipal.
parce que ce projet, architecturalement, chacun le reconnaît, il est joli. Je pense qu'il est mal placé. Je vous dis, je pense qu'il est mal placé parce qu'on va concentrer trois surfaces commerciales dans un peu d'endroits. Et qu'il fallait, mais on a eu déjà le débat dans ce conseil municipal et ça, on n'a pas été écouté, mais qu'il fallait réfléchir de manière plus large, notamment avec l'ancienne distillerie, à comment recomposer le commerce sur cette zone dans la ville et comment on utilisait le foncier disponible pour ça. On n'a pas été entendu, c'est une chose. Mais il va aussi s'éloigner du centre-ville. C'est-à-dire que la clientèle de centre-ville ou la clientèle de proximité qui se servait de ce Lidl, elle n'aura plus ce service de proximité. Et c'est le deuxième qu'elle voit partir un peu de temps. Parce que M. le maire a indiqué la fermeture du Netto. Le Netto, il n'a pas été fermé du jour au lendemain. Il a été déplacé. On nous avait expliqué que le porteur de projet avait une idée extraordinaire de le déplacer. Finalement, le déplacement a achevé le Netto. Mais le centre-ville, il prend deux coups sur coup pour le commerce ou la clientèle de proximité. C'est l'absence à pied d'un service de proximité auquel ne répondent pas les grandes surfaces, forcément traditionnelles, en tout cas pour des questions de pouvoir d'achat ou de produits disponibles. Mais le centre-ville aussi, pour ceux qui sont de son commerce, il pourrait souffrir si là venait se mettre une nouvelle surface commerciale. Donc il faut vraiment que les commerçants du centre-ville aujourd'hui aient la garantie qu'il n'y ait pas une double peine pour le cœur de ville, c'est-à-dire à la fois une peine pour les usagers qui ne retrouvent pas des commerces qui sont petit à petit, qui se sont délocalisés, et une peine pour les commerçants qui verraient en plus, viennent se mettre là, un commerce alimentaire, qu'il soit de primeur ou autre, et qui doublerait la concurrence pour le cœur de ville. D'autant qu'on le sait, l'arrivée de Marie Blachère ou de d'autres structures fantasmées ou avérées, je ne le sais pas, sont quand même des sources d'inquiétude pour le cœur de ville comme pour les commerçants de l'avenue. Et ça veut dire, bon, il y a, je le sais, la réflexion sur la traversée urbaine, mais je crois, et c'est l'un des défauts qu'on a pointé sur le plan local d'urbanisme, il y a un manque de réflexion, qui peut se corriger, sur la vocation commerciale de l'avenue de Verdun. Et je crois que le départ du Lidl, mais la cave coopérative, vous l'avez dit aussi, qui n'est pas forcément ni partie, ni à vocation commerciale, si elle partait de même, mais il faut aujourd'hui lister les opportunités sur cette avenue-là pour qu'elle soit une avenue commerçante et attractive de Pézenas, ce qu'elle n'est pas forcément. Mais la priorité et la demande que nous faisons, vous y avez partiellement répondu en faisant une annonce, ça peut être cette halle aux antiquaires, ça peut être une salle polyvalente, ça peut être autre chose, mais c'est que dans la délibération noir sur blanc, il soit écrit que dans la révision générale du PLU, il y aura à cet endroit-là un emplacement réservé, parce que c'est un outil que vous utilisez très peu sur le PLU, c'est les emplacements réservés, qui fait qu'à la fin, le maire a un pouvoir de contrainte. La proposition qu'on mette, j'allais vous annoncer dans la foulée, donc on est parfaitement synchrone, ce qui est merveilleux, que nous allions tenir compte des observations des personnes publiques associées sur la révision actuelle du PLU. Donc on va repartir sur, on va intégrer tout ça à la révision du PLU, repartir sur une démarche au niveau de cette révision générale du PLU, et dans ce cadre-là, il y aura un emplacement réservé qui sera inscrit. Par contre, on ne va pas... aujourd'hui, la délib telle qu'elle est prise, elle va rester telle qu'elle est, mais par contre, je vous annonce qu'aujourd'hui, clairement, il y aura un emplacement réservé sur ce site dans la révision générale du PLU qui va être reprise, pour intégrer notamment ces éléments-là. Monsieur Douminc, excusez-moi. Qui va jusqu'à quand ? Justement en train d'être renouvelé, quoi. D'accord, vous êtes prêt à geler, enfin, votre capacité financière est prête à geler et à laisser une friche. Ça, c'est un point, mais... Sans que vous me révéliez les dessous de l'affaire, mais si j'ai bien compris le dossier, vous déménagez parce que vous n'avez pas pu acquérir la parcelle. Non ? Oui. Sinon, vous auriez reconstruit sur place. 5 000 mètres carrés, c'était le projet, et quand même... Il aurait quand même été à la L3. Cette parcelle-là...
ville. Et derrière, donc un complément, si Christiane Gomez veut bien me compléter sur le commerce de centre-ville et expliquer qu'il y a un projet local aussi qui va rassurer toute l'équipe municipale. Oui, monsieur le maire, il y a quand même un problème, c'est que je pense que tout ce qui a été dit n'aura pas été enregistré. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de micro et que par conséquent, on va avoir absent un certain nombre d'éléments par rapport à la discussion, ce qui est quand même très dommageable. Eux n'ont pas de micro ? Moi, on est en discussion toujours, je dirais, à la paysanne avec Lidl. Et là, Lidl est en train de parler devant tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui se déjuge par rapport à ce qui a été dit, pour assurer M. Verdeil. Mais je voudrais qu'on complète pour répondre à Armand Rivière sur le cœur de ville, puisque c'était une de nos préoccupations aussi. Donc si Christiane Gomez veut informer d'un dossier en cours. Oui, au niveau de la rue Anatole-France, il y a un proxy qui va s'installer. Hein, voilà. Juste en face, le restaurant entier, à la place des établissements Ray. On sait que la supérette de centre-ville, qu'elle soit Spar Proxy, elle ne répond pas à la même clientèle que Lidl ou Conneto. Et le problème, c'est que personnes âgées. Je pense surtout à la clientèle âgée, qui n'a pas forcément les moyens de se servir tous les jours dans une supérette de centre-ville, qui, coup sur coup, a vu partir le Netto qui était proche et le Lidl qui était un peu plus proche et qui, cette offre-là, ne la retrouvera pas. Et ça, je peux vous dire que dans la population, je pense que vous avez les mêmes remontées, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude. Et donc, il y a la réponse aussi de la navette qui a été supprimée parce qu'elle n'était pas utilisée. On discutait avec les groupes aujourd'hui qui réfléchissent sur la transition écologique. Il semblerait que les esprits soient mûrs pour relancer cette navette que nous avions mis en place à l'époque, qui n'était pas fréquentée. On avait communiqué dessus, ça restait pas fréquenté. Et aujourd'hui, la demande vient des gens. Pour relancer la navette, donc on va remettre la pression sur la communauté d'agglomération pour relancer notre navette, qui fait partie des choses importantes sur la ville de Pézenas. Donc on est aussi sur les solutions apportées sont celles qu'on a évoquées. C'est un projet global, c'est un projet d'envergure pour la ville de Pézenas. Et je voudrais quand même remercier, au-delà du département que c'est déjà fait, Lidl pour la manière dont ce dossier a été mené de façon efficace, pragmatique et salué par tous les interlocuteurs. Hein, Christiane ? Un grand merci, oui, à vous toutes, à toute l'équipe de Lidl, avec qui on a vraiment bien travaillé. Voilà. Est-ce qu'il y a oui ? Une question sur la dépollution du terrain. Alors d'abord, vous dire que si les riverains du centre-ville sont inquiets, ceux de plein soleil sont aussi inquiets des nuisances sonores qui peuvent arriver. Donc ça serait bien quand même de les réunir et de leur expliquer le projet et de leur présenter. Mais pour une fois, été donné au conseil municipal, d'habitude, que si on présente, si on fait des réunions avec les riverains avant de voir le conseil, non, vous mais je vous dis qu'il faut le faire. Bien sûr, mais je sais qu'il faut le faire. La temporalité, vous la maîtrisez, et c'est vous qui la décidez, comme elle vous arrange, pas comme elle m'arrange moi. Ne me dites pas que c'est parce que je vous demande que vous faites. Vous réunissez beaucoup en ce moment. Vous ne me demandez pas si j'ai mon autorisation ou pas. On s'améliore. Donc, à un moment donné, le souci aujourd'hui, il est clair, c'est de dire, aujourd'hui, on donne la primeur au conseil municipal, on respecte le vote de ce soir du conseil municipal, et fort du vote du conseil municipal, Lidl nous a effectivement dit qu'il souhaitait organiser différentes réunions pour rassurer les riverains d'une part et puis présenter à la population aussi. Donc c'est ce qui sera fait. On mettra à disposition le foyer des campagnes à Lidl pour une présentation générale après la présentation aux riverains. La primeur du conseil municipal, elle aurait pu être avant la CDAC si on veut jouer sur les mots. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas de primeur, vous le passez non, là parce qu'il faut le passer là. Mais tu dis un truc, je réponds, sinon. Le dossier, il était connu avant qu'il arrive en conseil municipal. Il était connu puisque tu l'as reçu. Il y a un moment où vous y travaillez dessus. Il n'y a aucune commission qui se réunisse ici pour travailler sur les dossiers. Tu l'as reçu sur ton adresse mail en même temps que moi, au niveau du groupe socialiste et la région. Donc tu as été parfaitement informé. Je dis simplement que la région. Ce que je reçois, vous dites, reste professionnellement. Oui, mon frère, je n'ai pas de. Ne soyez pas.
d'attaque professionnelle sur ça, j'en fais pas moi sur votre vie professionnelle. Je reçois les choses sur mon adresse mail professionnelle qui va aux élus qui sont concernés. Je dis les attaques personnelles, vous les gardez pour vous. Parce que si on doit rentrer sur votre vie professionnelle, on va y passer un moment. Mais c'est pas c'était une attaque personnelle. Une fois de plus, à mon encontre, c'était une attaque personnelle. Une attaque professionnelle, c'est un constat objectif. Le constat objectif, c'est que vous nous dites qu'on a la primeur, on n'a pas la primeur. Le constat objectif, c'est que, donc, pour répondre à la question, avant que tu continues ta logorée, je dirais simplement aujourd'hui. Aujourd'hui, laisse-moi quand même te répondre, c'est la moindre des choses. Nous avions affaire, nous avions affaire, tu me laisseras le choix de la sémantique. On peut l'utiliser à ton égard, hein. Tu veux respecter quand même un peu l'ordre du conseil, René, s'il te plaît, la moindre des choses. Je respecte ce qui est respectable. Oui, mais ce qui est respectable, c'est les institutions de la République. Je te remercie de respecter. La CDAC devait être réunie avant, pour Lidl, avant qu'il y ait cession du terrain. C'était dans ce cadre-là et c'était dans cet ordre-là que les choses se faisaient. C'est comme ça que ça a été fait. Point. Donc je reviens sur la question qui était plus importante, qui était la dépollution, qui n'était pas mon histoire professionnelle ni personnelle. Mais je vois que vous aimez attaquer sur ce terrain-là. Ce n'est pas la première fois, hein, donc on peut continuer. Comment va se procéder la dépollution? Qu'est-ce que vous allez dépolluer? Comment exactement? Est-ce que ceux qui étaient sur ce terrain-là, dont on sait tous que c'était une décharge, va être totalement évacué? Ou est-ce que ça va être caché par les fondations ou je ne sais quoi du terrain? Et surtout, outre les nuisances sonores dont on a parlé, comment, si on dépollue totalement, les populations aux alentours vont être protégées de cette dépollution-là et des risques qu'il peut y avoir? Oui, ça fonctionne. Juste, bon, okay. Bon, moi, je suis urbaniste, je ne suis pas expert en environnement, je préfère déjà le préciser. Mais effectivement, l'objectif, c'est pour ça que je vais vous répondre, mais d'abord, je commence par ça. Effectivement, l'objectif du groupe Lidl, c'est d'être accompagné des meilleurs pour pouvoir développer un projet qui est complexe. Donc je vous l'ai dit, il y a les meilleurs autour de nous, enfin, certaines des meilleures certainement, sur le volet paysage et biodiversité. Sur le volet environnemental, on est accompagné par le cabinet Socotec. Donc pour vous expliquer comment ça se passe quand on a un projet sur un terrain pollué, en fait vous avez donc un projet à imaginer sur ce terrain-là. Une fois que vous avez imaginé le projet, vous le transmettez à votre prestataire environnemental qui croise les données entre les résultats des études environnementales et la faisabilité de votre projet. Au regard de ça, le cabinet vous dit ce que vous devez faire comme type de dépollution pour mettre votre projet en compatibilité avec la réalité des mesures de dépollution à mettre en œuvre par rapport aux obligations environnementales qui découlent du droit de l'environnement. Sur un projet comme celui-là, quand on regarde un peu la matière sur le sujet des pollutions, les pollutions, ça coûte plus cher et ça provoque plus de nuisances de les extraire de leur milieu que de les cantonner. Et c'est le cas d'énormément de sources de pollution. Et c'est le cas de cette pollution-là. Donc la pollution, elle est connue, identifiée, on sait ce qu'il y a. Il y a un rapport qui avait été d'ailleurs réalisé à la demande de la collectivité. Donc nous, on a découvert le rapport qui était fourni par la collectivité à travers l'appel à projet, donc vous le connaissez. Mais on a fait quand même notre propre rapport, via Socotec, qui a confirmé le rapport de départ, c'est-à-dire qu'on sait quel type de déchets on a, et des déchets ménagers, en fait, hein, en résumé à grand trait. Donc il vaut mieux les cantonner, ne pas les extraire. Les extraire, pour vous expliquer, hein, c'est en fait des dizaines et des dizaines de camions qui en fait prennent les déchets et les envoient à Marseille. Donc c'est des dizaines et des dizaines d'allers-retours pour extraire des tonnes de détritus. Donc en fait l'impact en matière environnementale est colossal. Donc la pollution sera cantonnée dans le cadre du projet. On construit en fait sur la pollution historique. On la cantonne, elle est isolée et elle restera là où elle est. Voilà. Le talus, en fait, qui est constitué de 8 mètres, comme je vous disais, à peu près un monticule de 8 mètres, sera consolidé par un enrochement bétonné. Donc on est accompagné par un autre prestataire, qui est le cabinet Fondasol, qui a donc étudié là aussi la réalité de notre projet avec la réalité technique du foncier. Donc ils ont travaillé de concert aussi avec Socotec pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on maintient un talus, avec des enjeux aussi liés en matière de, je vous l'ai dit, en matière de pollution historique. Donc les deux cabinets ont bossé ensemble et on en arrive à devoir consolider le talus par l'extérieur, par un enrochement bétonné. Alors, on le voit bien, hein, c'est toute cette partie-là, hein, qui va être justement... Voilà, donc le bâtiment se retrouve posé en haut du talus, avec des pieux qui descendent à travers les 8 mètres historiques pour aller attraper le bon sol et pouvoir maintenir la structure. Pour répondre à ce que vous disiez par rapport aux riverains, effectivement, aujourd'hui, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, on a l'impression, quand on ne connaît pas l'histoire du site, parce que moi, au départ, quand je l'ai visité,
on le voit, on a l'impression qu'on est sur un terrain naturel. Donc effectivement, je pense que la situation sera plus saine après l'installation d'un magasin comme d'un projet comme le nôtre, puisque il y a aussi la couche d'enrobé, il y a le bâtiment qui est posé dessus, donc on assure une certaine pérennité à ce foncier. L'histoire environnementale, bon, elle est liée à l'histoire de Pézenas. Hein. C'est voilà. L'inquiétude des riverains, elle est à la fois sur les mesures de dépollution et sur après les nuisances qu'il peut y avoir d'avoir un tel magasin à côté de chez soi, sur les heures de livraison, et ça, la ville s'arrangera avec les riverains et vous s'arrangerez avec eux. La précision, juste parce que ça c'est un autre sujet, la question des nuisances, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a aussi été intégrée, donc tous les volets ont vraiment été étudiés de près. Les nuisances visuelles, je vous l'ai dit, c'est de façon volontaire que le groupe Lidl a proposé des panneaux solaires non réfléchissants. Il n'y a pas de réglementation en la matière. C'est pour anticiper d'éventuels problèmes de troubles à l'ombre du voisinage. Et sur les problèmes de nuisances sonores, c'est la même chose. On n'avait pas d'obligation réglementaire particulière, puisqu'on est le long d'un axe départemental, urbain mais départemental. Mais on a quand même fait le choix volontaire de proposer un quai tunnel insonorisé. Donc là, le long de la départementale, là où vous avez une vague, c'est un quai tunnel insonorisé. Donc on a aussi pris en considération, au-delà de la réalisation du projet, la vie du magasin dans les prochaines années. En plus, donc, il y a des éléments pour les riverains qui sont des éléments d'amélioration du confort du quartier, qui ont été pris en compte par le projet. Donc dans le projet, on a travaillé sur les liaisons avec le quartier, on a travaillé aussi sur la noue paysagère qui a été utilisée comme jardin botanique pour les enfants. Je veux dire, c'est quand même des éléments qui ont été parfaitement intégrés au projet. Une des contraintes de ce projet, c'est sa couture avec les quartiers existants. Je dis ça surtout aux élus de la majorité, puisque visiblement, ça n'intéresse pas l'opposition. Voilà. Donc, bon, merci. Parce que. J'étais tout simplement, le R+1 va démarrer à partir de la butte ou sera. Non, il sera quand même enfoncé, on va quand même devoir retirer quelques terres, il sera quand même c'était la question un peu que enfoncé. D'accord. Donc, en termes économiques, hein, je précise que j'ai quand même une vision économique, en fait le coût terrain représente pour nous, c'est 1 million d'euros certes, mais on a pour plus de 3 millions d'euros, juste de mesures compensatoires par rapport à la spécificité du terrain. Voilà. Le coût majeur, évidemment, on a fait la proposition à la mairie. On a bien sûr dû faire de nombreuses études pour se garantir de ce coût-là. On ne peut pas se permettre d'acquérir en ayant de tels inconnus. Donc c'est vrai qu'on a fait vraiment de nombreuses études. Et sur nos études, vraiment, le surcoût principal, c'est la spécificité du terrain et les mesures compensatoires qu'on est obligé de mettre en place. Et ça représente 3 millions d'euros. Ce qui est vrai. C'est pas forcément beaucoup de porteurs de projets qui sont capables de le mettre. Hein, et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que c'est une opportunité de réaliser ce projet. Merci. Une question qui paraîtra accessoire quand vous annoncez les chiffres que vous annoncez, mais vous avez évoqué les pins qui sont sur le bord et que vous essayez de sauvegarder au plus. Il se trouve que sur l'ancienne décharge, il y a quelques arbres. Je ne suis pas allé les compter, vous me direz que dans mon imaginaire, c'est une... Ça ne doit pas intéresser M. le maire parce qu'il parle. Dans mon imaginaire, c'est une forêt où il écoute ceux qui parlent. C'est une forêt, mais il se trouve que je suis de ceux qui, en CE2, ont planté ces arbres. Donc j'ai une petite attache personnelle, mais est-ce qu'on compense les arbres qui sont arrachés et perdus? Est-ce qu'on essaye de les sauvegarder? Ça, c'est la première partie de la question. Dans quelle mesure? Et surtout... L'autre point, c'est que vous avez dit que le petit parc que vous faisiez derrière serait fermé au public. Je pense que vous avez vos raisons, mais je trouve que c'est dommage parce que les villes, de manière générale, Pézenas en particulier, ont besoin de créer des parcs qui sont ouverts au public de manière générale. Alors, sur le volet paysager, mais on est enthousiaste de répondre à vos questions parce que c'est un projet auquel on croit et comme je le disais tout à l'heure à certains élus, c'est un projet qui devient pour notre direction nationale un des projets les plus emblématiques de ce qu'on est capable de réaliser sur tous les volets. Donc c'est intéressant de pouvoir en parler. Sur l'abattage des arbres, effectivement, je vous disais qu'on est contraint pour créer cet accès par le haut, puisque comme vous le savez, on est en haut d'un talus, donc on n'aurait pas pu imaginer, on l'a étudié, hein, on a fait 25 études de faisabilité sur ce foncier. Donc on a travaillé dans tous les sens, par le haut, par le bas, avec un rond-point, avec une entrée-sortie. Donc ce qu'on vous présente là, c'est le résultat de 6 mois de concertation et de conclusion d'études techniques en tout genre.
Donc sur le volet paysager, on a l'abattage qui est rendu nécessaire. Donc il y a la commission d'abattage, enfin de gestion des plantations qui existe au conseil départemental, qui devra se réunir et qui donne son avis favorable ou pas, donc elle le dira dans quelques semaines, pour pouvoir abattre les arbres et réaliser l'accès. Cette commission de gestion des plantations est composée de membres, notamment architectes paysagistes, qui regardent avec attention les mesures compensatoires qui sont mises en œuvre avec un vrai projet paysager, puisque ce n'est pas juste le fait de dire on coupe 4 arbres, on en remet 4. C'est absolument pas ça. C'est-à-dire que vous devez avoir une philosophie paysagère dans votre projet, et c'est démontré par notre architecte paysagiste. Donc il y a un rapport paysager qui va être transmis, qui a déjà été transmis d'ailleurs au conseil départemental, en vue du passage en commission de gestion des plantations. Ça, c'est pour le volet frange départementale. Au-delà de ce dossier paysager, vous avez un dossier paysager qui relève des obligations du projet à travers le PLU. Donc il y a des obligations qui sont liées au nombre d'arbres tels que définis par le PLU, mais nous on va au-delà, puisque en plus de planter des arbres sur le foncier, on en plante sur le contrebas. Donc je crois qu'en tout on en a, 100, voilà, on a, en tout, on a 107 arbres. 107, c'est énorme. Donc on est largement au-delà des mesures compensatoires à la fois de la frange départementale, de ce qui est imposé par le PLU, on va bien au-delà. Et sur les arbres dont vous parlez, effectivement, notre architecte paysagiste, et vous pouvez le voir à travers, puisque c'est un document qui est en cours d'instruction auprès des services de la ville et de la communauté de communes, puisque c'est sous responsabilité de comité de communes, donc effectivement, dans le dossier paysager, vous avez les arbres existants sur le foncier, que vous avez planté à l'époque, donc il a été étudié par la paysagiste, la possibilité de conserver et de replanter certains de ces spécimens parce qu'ils ont la capacité de survivre à une transplantation. Donc c'est effectivement pris en considération notre projet. Donc on a référencé les arbres existants, le type d'arbres existants, parce qu'ils n'ont pas forcément tous en plus un intérêt à être conservés, certains sont malades, certains ne sont pas adaptés au milieu, donc on est allé très loin dans le diagnostic paysager. Le diagnostic de toute façon était obligatoire, non pas dans le cadre du PC, mais dans le cadre de, comme je vous l'ai dit, de l'instruction de la commission d'aménagement paysager. Donc voilà, on est allé très loin. Et ensuite, sur la question relative à l'ouverture de la noue paysagère ou du sentier pédagogique, il y a eu des échanges entre Lidl et la municipalité sur, comme je vous disais, voilà, nous on a eu cette idée de noue paysagère et de sentier pédagogique. Est-ce qu'on l'ouvre au public ? Public au sens large, hein, parce que pour les écoles c'est le public, mais est-ce que c'est ouvert non-stop ? Mais après se posent des questions de sécurité, se posent des questions de gestion, de l'accès, etc., etc. Et vous connaissez mieux que moi en tant qu'élu local ces problématiques qui peuvent en découler. Donc pour l'instant, en tout cas, le choix qui a été fait et qui a été développé dans le projet d'AEC, c'est de proposer un partenariat avec la mairie, dans un premier temps en tout cas, pour que la mairie ait en gros une clé de cet espace qui sera clôturé, aussi dans l'intérêt de la préservation du milieu, puisque comme je vous l'ai dit, qui dit sentier pédagogique dit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la volonté aussi d'être accompagné par un expert qui essaye de faire des aménagements en faveur de la biodiversité. Donc une ouverture au public au sens large, ça a aussi un impact sur le projet initial. Ça veut dire que les milieux seront plus impactés que si on se contente d'en faire des visites ponctuelles avec des écoles ou avec des centres aérés. Voilà, mais ça, c'est encore une fois à la municipalité de savoir ce vers quoi elle veut aller. Absolument. Merci pour ces précisions. Peut-être des précisions, Madame Mazième, je vous prie. Oui, pardon, c'est aussi une question de l'ordre du détail. Je ne l'aurais pas forcément posée, mais puisque on vient de parler des arbres, je m'autorise à parler des humains. Vous l'avez évoqué dans votre présentation et monsieur le maire l'a repris ensuite dans son argumentaire. Vous doublez la surface, vous doublez grosso modo les emplois, on passe de 19 à 40, si j'ai bien suivi, ou à 39, c'est plus 20, c'est pas 20 au total, c'est plus 20. C'est ça, hein? 19 actuellement et il y en a... Supplémentaire. Donc vous doublez. Voilà, vous avez évoqué des CDI. Ce qui m'intéresserait de savoir, mais c'est une curiosité personnelle, c'est à combien d'équivalents temps plein correspondent ces CDI ? À combien ? Aujourd'hui, en fait, je vous parle rapidement d'une structure de magasin Lidl. On est en train de passer de plus en plus au temps plein. Parce que savoir qu'un magasin, aujourd'hui, il y a un directeur de magasin, généralement accompagné d'un adjoint. Tout ça, c'est des contrats des agents de maîtrise à 42 heures, ou directeur de magasin cadre, agent de maîtrise à 36h75. Les chefs caisses, la structure encore en dessous, sont également à 35 heures aujourd'hui. Les caissières sont à 30 heures. Quand je suis rentré chez Lidl, c'était 25. Et on est en train de faire des tests au niveau national. Et pour au niveau régional, c'est sur Béziers-Mazeran, avec également des caissières qui sont également à temps plein sur la base du volontariat. Parce que ce n'est pas forcément
Tout à le fait. Souhait de toutes. Voilà. Non, mais c'était le sens de ma question, c'est-à-dire une tendance à aligner les emplois, les CDI, sur un équivalent temps plein. C'est ça l'idée. Exactement. Merci. Et donc, on lutte. Vous avez peut-être pas vraiment insisté sur l'évasion commerciale qui était retenue avec ce projet-là, et ne serait-ce que par rapport à ce qui part aujourd'hui dans d'autres magasins, y compris de votre groupe. L'évasion commerciale, l'impact sur l'évasion commerciale, c'est intéressant de le redire peut-être rapidement oui. aussi. Oui, non, mais tout à fait. Nous aujourd'hui, c'est vrai que, comme je disais, Montpezna, c'est un magasin historique. Hein, et nous aujourd'hui, on le constate facilement parce qu'on fait des études clientèle une fois par an en caisse. Hein, on demande aux clients tout simplement hein, leur code INSEE de leur lieu d'habitation. Aujourd'hui, c'est un constat chiffré. Hein, clairement économique, hein, qu'on a une baisse régulière. Alors, je dirais pas une baisse régulière parce qu'en fait, on a une enseigne qui est aujourd'hui de plus en plus populaire, hein, mais on a en tout cas une enseigne qui est un magasin sur Pézenas qui se développe beaucoup, beaucoup plus lentement que le reste de nos magasins, et notamment les plus connus qui aujourd'hui ont tendance quelque part à aspirer aussi la clientèle, que sont Saint-Thierry ou même Béziers-Mazerans, hein, celui de Béziers également qui connaît un grand succès. Hein, et voilà, donc c'est vrai qu'on a un maillage comme sur le territoire et on constate effectivement des gros succès de ces magasins-là et un magasin de Pézenas qui est beaucoup plus, je dirais pas en baisse, hein, mais voilà, on développe pas de chiffre d'affaires supplémentaire en tout cas. Dans l'explication que vous faites là sur l'évasion commerciale ou. Vous nous expliquez surtout que c'est Lidl qui mange Lidl à quelque chose près, puisque c'est Saint-Thierry, Béziers. Mais est-ce qu'on a le sentiment que d'autres surfaces commerciales des environs, je ne parle pas de celles de Pézenas, ce serait dommage de les fragiliser en agrandissant Lidl et de l'équilibre local, en tout cas, soit totalement perturbé. Mais est-ce que vous souffrez de la concurrence d'anciennes plus classiques placées dans les communes environnantes ou c'est vraiment Lidl qui fait de la concurrence à Lidl? Je ne vais pas parler au nom de mes concurrents, mais pour échanger quand même aussi régulièrement avec eux, le constat est identique. Donc c'est aussi l'équipement commercial autour de la ville, soyons clairs, notamment hein, qui a été créé le Super U de Rougeant, qui je pense a été ressenti par l'ensemble des supermarchés de la commune. Quoi. Donc non, ce n'est pas notre magasin de Saint-Thierry, par exemple, est présent depuis très longtemps également. Quoi. Mais c'est vrai que c'est après notre mesure d'extension qui nous a pris une partie de notre clientèle. Mais sincèrement, comme le constat est même plus important chez d'autres supermarchés de la ville, c'est bien sûr l'équipement. Et quand on regarde, je vais être très clair, aujourd'hui sur la ville, le magasin le plus moderne est le magasin Aldi qui a fait une mesure de démolition en construction il y a 2 ans, il me semble. Quoi. Quand on regarde la vétusté de nos équipements commerciaux, Lidl compris, mais je citerai Leclerc ou même Carrefour qui est un peu ancien, on a quand même un parc qui est assez ancien. Donc ce n'est pas que nous, et ce n'est pas une cannibalisation par notre propre enseigne. Quoi. Il y a d'autres questions, des précisions de Mme Maraval sur le travail. Merci au service technique pour le travail qui a été fourni. Hein, Christiane, je crois qu'on peut saluer les efforts parce que ça a été un gros, gros travail de tout le monde. Mme Maraval. Non, je voulais juste dire un mot parce que c'est vrai que là, on voit l'aboutissement du dossier, mais on a quand même beaucoup bataillé. L'aspect pédagogique était quand même important pour donner aussi une touche verte. Et puis, je pense que les enfants de la ville pourront profiter de cet espace préservé. Et là, on travaille encore, mais là, plus avec le département. Et je suis contente qu'on puisse avancer sur le projet de partenariat urbain pour les travaux, parce que là aussi, il y a un vrai enjeu au-delà de l'installation du magasin, bien sûr, mais après de sécurisation du carrefour qui est quand même accidentogène en face Aldi, au niveau des circulations piétonnes, puisque là, on pourra aller de ce côté-là de la ville à l'autre côté en passant par le chemin de Castelsec. Donc, on aura vraiment une boucle qui sera constituée, qui me paraît très importante, y compris le petit cheminement en bas. Et donc là, on est en train de faire des allers-retours techniques avec les services du département, nos partenaires aussi, les entreprises qui vont faire les travaux. Donc, tout ça ne se voit pas. Mais on est, nous aussi, dans le coup d'après pour vraiment arriver à créer toute cette dynamique au niveau de cette nouvelle installation. Voilà en quelques mots. Si. Oui. J'ai dû faire des prévisions sur le chiffre d'affaires
futur en fonction de votre agrandissement. Vous l'avez quantifié, vous savez exactement de combien vous allez progresser. Tout ça parce que, en fait, tout ce que vous allez progresser, vous allez le prendre à quelqu'un, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, est-ce que vous avez quantifié le fait que de ce chiffre d'affaires que vous allez prendre? Alors, on tente de les quantifier. Malheureusement, ce n'est pas une science exacte. Oui, je veux donc, on tente éventuellement de les quantifier. Après, le calcul est plutôt simple, c'est qu'on vous dit qu'on double le personnel. Après, les chiffres d'affaires sont. Il y a un calcul qui est fait par rapport au mètre carré supplémentaire, quoi. Au mètre carré, j'allais dire. Bah, le chiffre d'affaires. Comme on double les mètres carrés, on double la structure. Évidemment, on n'est pas loin d'imaginer qu'on sera pas loin de doubler le chiffre d'affaires. Voilà. Mmh. Après, les chiffres d'affaires chez Lidl étant privés et non publiés, je non, vous non, permettra non, mais de voilà, tout à fait. C'était quoi. Un pourcentage. Hein. Après, pas des chiffres. Alors, je tiens à préciser quelque chose d'important. Aujourd'hui, on est dans une gamme réduite sur notre magasin de Pézenas, parce qu'il est trop petit. On va très légèrement augmenter la gamme, parce qu'on est dans une gamme intermédiaire, mais il ne faut pas croire qu'il y aura deux fois plus de produits dans le magasin, dans le nouveau magasin. Aujourd'hui, c'est surtout un confort d'achat qu'on cherche, hein, et aussi ce qu'on appelle, excusez-moi d'être un peu technique, une capacité rayon. Voilà. Aujourd'hui, quand on a des magasins comme on a actuellement, généralement, ce qu'on appelle des facings, c'est-à-dire les présentations de, vous connaissez peut-être notre magasin, ce n'est pas produit par produit, mais c'est plutôt en carton, et ben, on va mettre même une bonne sortie, on va faire ça sur un carton. Il faudra le recharger tous les jours. Évidemment, quand on a un magasin plus grand, ça peut permettre de mettre cette bonne sortie sur 2-3 facings et ne pas avoir à recharger tous les jours. Donc c'est surtout un confort client et un confort clientèle. Voilà. Oui. Après, évidemment, qu'on ne fait pas un investissement de cet ordre-là pour ne pas avoir quand même un peu de culbute en termes de chiffre d'affaires. Là où je voulais après, ouais. Je précise de suite, et je parle notamment parce que bien sûr c'est un sujet qui préoccupe en général toutes les communes, j'entends, les petits commerces. Nous avons un modèle où nous n'avons aucune découpe concernant la viande, le poisson. Donc notre gamme restera quand même identique et vous n'allez pas avoir du fromage à la découpe, de la viande à la découpe ou autres qui vont être créés sur ce nouveau magasin. La gamme restera identique avec par contre un confort qui permet de voilà, notamment au personnel, de ne pas recharger tous les jours certains rayons. Je m'inquiétais du bricolage dernièrement. Vous me disiez que là aussi, vous n'étiez pas concurrentiel par rapport à la grande surface existante. Ce n'est pas notre métier. On fait 2-3 actions dans l'année à titre ponctuel sur le bricolage. Donc bon, voilà, la personne qui a besoin de quelque chose pour bricoler ne va pas attendre des mois que l'action sorte chez Lidl. Donc c'est clair qu'on ne rentre pas du tout en concurrence avec ce type d'enseigne. Après, comme je l'avais dit, il y aura sans doute une recentralisation aussi de certains clients qui sont peut-être passés sur d'autres villes. Hein. Alors nous, on parlait de Saint-Tibéry, Super-Rougeon, je ne sais pas. On compte sur un appel d'air pour faire revenir aussi certaines personnes de cette zone de l'enchandise sur Pézenas. Et on compte aussi sur une certaine complémentarité. Aujourd'hui, on n'est pas à Lidl. Je pense que personne, même je suis salarié Lidl, personne ne fait ses courses uniquement chez Lidl. On n'a pas non plus une gamme très étendue. Donc généralement, voilà, on fait les courses chez nous, mais après, ça peut, et surtout, ça va faire des courses dans les commerces du centre, chez un autre concurrent généraliste. Hein, c'est rare que les gens viennent spécifiquement que pour Lidl. Non, ma question, c'était en fait pour mettre à jour le fait que votre part supplémentaire, vous allez prendre, donc de marché, vous allez les prendre à quelqu'un. Donc, est-ce que vous avez fait une étude là-dessus? Est-ce que vous savez un peu l'impact que ça va avoir? Non, ça par contre, on. Aujourd'hui, contre, c'est pas comme une création, c'est un transfert. Allez-y, monsieur Doumenc. On a un certain historique avec nos mesures. Et effectivement, on sait que voilà, quand on gagne temps en surface, on a à peu près un gain de temps en chiffre d'affaires. Après, honnêtement, d'où c'est à venir, je peux pas vous répondre. Contre signaler que la CDAC, une CDAC favorable contre, pour laquelle le SCOT du Biterrois a voté contre d'ailleurs, a été octroyée au Super U de Rougeant qui passe de 3000 à 3700 m² suite à cette commission départementale d'aménagement commercial. Et derrière, donc c'est contesté, il y a des recours bien évidemment, mais c'est inquiétant pour Pézenas à un moment donné. Moi, on se retrouve avec 700 m² de plus, c'est autant que l'agrandissement de Lidl, c'est pas sur Pézenas. Et derrière, de plus, le Super U de Rougeon fait déjà plus de chiffres que le champion, que le Carrefour de Pézenas. Donc, à ce jour, non, l'or, j'ai pas dit. Donc, aujourd'hui, on en est là, quoi. On a vraiment aujourd'hui à recomposer le tissu local pour garder sur Pézenas le maximum de clientèle. Voilà. Est-ce qu'il y a des compléments? Donc, je propose de passer au vote sur cette proposition. Qui est contre?
qui s'abstient. 1 million d'euros, je rappelle, et les parcelles, vous avez le détail. Hein. Je vous remercie, et merci à Lidl, et une très belle soirée à vous. Le point suivant de l'ordre du jour, alors peut-être une information tant qu'on est dans le renforcement de la centralité de Pézenas. Nous avons reçu le directeur départemental des finances publiques, donc parce qu'il y avait des inquiétudes et je lui avais promis de revenir vers vous quand j'aurai des informations plus sérieuses sur l'implantation du centre des impôts. Donc Monsieur Samuel Barraud, qui est le directeur départemental des finances publiques, m'a écrit donc pour m'indiquer que nous avons eu l'occasion d'échanger, je vous donne lecture, sur le projet de nouvelle cartographie des services déconcentrés de la DDFIP. Je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît, 2 minutes, parce que c'est important pour Pézenas. Adressé par courrier le 18 juin dernier, ce projet s'inscrit dans la démarche engagée par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, visant d'une part à renforcer la présence, etc. Bon, tout ça, on le sait. Lors de notre échange téléphonique du 17 juin dernier, à l'occasion de la réunion du Conseil communautaire de cette agglopole méditerranée du 17 octobre dernier, j'ai détaillé les raisons de cette réorganisation. Je vous passe le détail. Vous le connaissez, on l'a déjà évoqué à l'occasion des rendez-vous avec les syndicats. Concernant la présence des finances publiques au sein de votre commune, je suis en mesure aujourd'hui de vous confirmer l'organisation qui pourrait être retenue. L'accueil des contribuables constitue une mission prioritaire exercée pour répondre aux besoins de la population et en particulier des publics les plus fragiles. Aussi, j'envisage de maintenir un accueil fiscal des usagers à Pézenas par l'intermédiaire d'un accueil de proximité pour les particuliers qui sera assuré par les agents des finances publiques tout au long de l'année. En matière de secteur public local, un accueil des usagers sera créé à Pézenas pour les démarches les plus courantes et notamment pour ceux qui souhaitent obtenir des délais de paiement. Off, le directeur m'a dit qu'il y aurait beaucoup de souplesse par rapport aux agents qui veulent rester sur place et qu'il n'y aurait pas de mutation, qui pourraient très bien travailler sur Pézenas et exercer leurs fonctions à partir de Pézenas. Par ailleurs, c'est ça qui est très important pour Pézenas aussi, j'envisage également la création d'un service des impôts des entreprises SIE à Pézenas qui regroupe les périmètres actuels des SIE de Sète et de l'Odev. En ce qui concerne le secteur public local, je vous confirme que le projet soumis à la concertation prévoit l'implantation d'un service de gestion comptable à 7. Le futur service de gestion comptable assurera la gestion comptable et financière. Donc tout ça, si nous explique comment ça se passe, vous êtes très au courant de tout ça. Mais ce qui est important, donc, c'est la confirmation du SIE qui sera le SIE de tout le centre de l'Hérault. Il y aura un service des impôts des entreprises à Montpellier, un à Béziers et un à Pézenas qui va regrouper donc les entreprises de Sète à Saint-Gervais-sur-Marne en passant par l'Odev et Vias. Donc on aura l'ensemble des fonctionnaires qui vont s'occuper des impôts, ce sera pratique pour les cabinets d'expertise comptable, qui se retrouvera sur le site de Pézenas avec une quarantaine d'agents dédiés à cela. Donc derrière l'assiette qui a été proposée au centre des impôts, c'est l'assiette qui correspond à au projet que nous avons sur la distillerie, qui a bien avancé. Et donc, ce que m'indique le directeur, c'est « Je souhaite, comme vous le savez, quitter l'immeuble domanial. J'ai exprimé mon intérêt pour une prise à bail de surface à construire dans le projet la distillerie. Ainsi que l'a souligné M. Pierre lors de son dernier entretien avec votre DGS, cette nouvelle implantation doit être validée par la direction immobilière de l'État. » Donc, il se fait fort de faire cette validation. Mais bien sûr, il faut qu'on puisse, pour cela, présenter la sécurisation du calendrier sur la distillerie, ce qui est en cours aujourd'hui, puisqu'on avance à marche forcée sur ce dossier. Donc, des éléments très positifs pour la ville de Pézenas, avec la confirmation d'un accueil pour les particuliers qui sera toujours présent et même, je dirais, dopé par rapport à d'autres sites, et du service des impôts aux entreprises, avec l'ensemble des agents des impôts qui vont travailler sur les dossiers de Frontignan à Vias et de Saint-Gervais-sur-Mar à Bédarieux, pour faire simple. Oui. Juste peut-être une remarque. Effectivement, on peut se réjouir qu'il y ait un moindre mal pour le service aux particuliers, mais il s'en va quand même. C'est-à-dire qu'il va rester un accueil
jusqu'à combien de temps et jusqu'à quelle réforme gouvernementale, on n'est pas sûr que le service aux particuliers, à la fin, reste vraiment. Enfin, vous avez discuté, comme moi, avec les agents des impôts, hein, qui sont inquiets sur leurs conditions de travail, surtout quand ils ouvrent des accueils comme ça, parce qu'ils n'ont finalement jamais le temps de travailler correctement et de travailler correctement au service des usagers. Donc, on ne peut pas se satisfaire, on peut se dire c'est un moindre mal, mais c'est un mal quand même d'une politique qui supprime les accueils de proximité et qui va faire du mal au territoire. Et si nous, on peut se réjouir d'accueillir la centralisation des services aux entreprises, on peut aussi se dire qu'il y a des territoires qui vont être à nouveau dépossédés de ces services publics-là, et qu'il y a une réflexion sur le service public qui est totalement contraire à ce qu'on a entendu depuis un an dans ce pays de la volonté des citoyens, c'est d'avoir des services publics de proximité. Je crois que l'État se trompe totalement dans ça. Mais c'est aussi un flux continu depuis longtemps, dont chaque parti politique ou groupement politique, y compris ceux auxquels j'appartiens, ont fait l'erreur, et je crois qu'ils les payent lourdement, et qu'à force de les continuer, on les payera plus lourdement. Si ce n'est pas en 2022, ça sera en 2027. Bien, donc moi je reste, je peux adhérer à une grande partie de ce qui est dit. Là, je tenais à donner la bonne nouvelle concernant le SIE à Pézenas, qui est quand même un élément fort pour notre ville, qui renforce cette centralité. Donc je crois qu'on peut tous en réjouir dans ce contexte où la rationalisation des services et l'informatisation galopante fait que effectivement il y a beaucoup de choses qui bougent, et parfois très vite. Ok, donc c'était juste une information. Donc on reprend l'ordre du jour, si vous voulez bien, avec la cession de la parcelle pour le forage géothermique. C'est monsieur Lebel qui nous évoque cela, ou monsieur Nicole? Bonsoir. Donc cette délibération a pour objet une régularisation tardive, puisque nous revenons à une délibération du conseil municipal de 1951, le 16 mai pour être précis, et un acte de vente du 14 juin 52. Donc en l'état à l'époque, la vente a été réalisée par la ville avec le propriétaire de l'époque, monsieur Courtès, en bonne et due forme, une cession de 67 hectares avec une production d'eau donnée au propriétaire qui gardait le reste du terrain. Donc où est localisée aujourd'hui la source d'eau chaude de Pézenas, qu'on appelle plus couramment PZ2. Mais cet acte, malheureusement, n'a pas été publié. Et donc les actes successifs qui ont été produits, les reventes ultérieures, n'ont pas fait mention de la propriété communale, puisque au cadastre, donc toujours aujourd'hui, donc là c'est en cours de régularisation, mais toujours aujourd'hui, cette parcelle n'apparaît pas sous son propriétaire lié à l'acte de vente de 52, mais sous le propriétaire actuel qui se sont succédés. Donc on procède à cette régularisation avec l'étude de notaire de Pézenas, pour que le propriétaire réel soit bien conservé dans ses droits, et surtout que le cadastre en fasse état, parce que dans le cadre de nos procédures, notamment de renouvellement du permis géothermique, les administrations d'État avec lesquelles nous travaillons ont une difficulté avec cet état de fait. Donc ça nous rappelle à Michel et à d'autres la cloche qu'il y avait à l'entrée du château du Larzac, avec des abeilles qui sortaient quand tiraient la cloche. C'était les années 50, c'est, ouais, 60, c'est hier. Bon, donc on revient sur des actes cadastrés comme ça, cadastraux comme ça, c'est assez fou. Mais il faut y aller, il y a des observations. C'est juste une régule, oui. René. Juste un point qui est un détail, mais je suppose que dans l'acte, il y a un droit de passage qui est prévu pour accéder à cette parcelle-là. Sinon, il va falloir y aller. Voilà, je pense que ça va y être. Alors, le point du passage nord, on accédait à l'époque directement de la route. Et donc, la municipalité de l'époque, de Jean Ben, a acheté la totalité. Mais le département a fait des travaux, notamment le carrefour a fait l'acquisition d'une parcelle assez importante et a élargi sa bande départementale.
Et donc, on doit également régulariser cette partie qui aujourd'hui est du domaine public départemental parce que le département ne savait pas que c'était une propriété communale. Il y a des projets, donc j'ai interrogé la direction de Pézenas, et dans la mesure où il y a des projets futurs assez proches, semble-t-il, de rond-point, cette question sera traitée dans ce cadre-là. Après, c'est du domaine par public, contre, on a un accord. Une parcelle peut pas être enclavée, hein, peut pas être sans accès, donc on sera sécurisé. C'est hein. pour ça que... Oui, et je parle du dessin théorique, parce que dans l'usage, aujourd'hui, on ne rentre pas par le bout qui nous appartient. On rentre par la parcelle départementale, puisqu'elle est, elle est beaucoup plus large qu'à l'époque. Voilà. Donc, je vous propose de voter comme ça, et puis on verra avec le rond-point que le département envisage, qui est une excellente chose. Merci pour ce beau projet. Sur cette proposition de cession de régularisation, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le point suivant de l'ordre du jour concerne la participation scolaire pour un établissement privé. Donc il s'agit tout simplement de majorer la participation communale à la demande du docteur Dufour, donc suite aux engagements qui ont été pris il y a quelques années. Hein. Voilà, tu peux en dire deux mots, Gérard, s'il te plaît ? Oui, disons qu'on régularise depuis 4 ans ou 5 ans maintenant. On est parti de 350 euros et on est obligé d'arriver à 550 euros, donc on en régularise régulièrement chaque année. Voilà, donc on le fait pour tous les ans. Sur cette proposition, est-ce qu'il y a des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc on passe aux attributions de subventions. Attribution de subvention aux propriétaires occupants dans le cadre de l'OPARU. Donc il y a deux propriétaires occupants qui ont demandé des subventions. On vous propose donc de verser à ces propriétaires une subvention de 1500 euros représentant la prime forfaitaire qui est en complément des aides de l'ANA et de la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée pour les propriétaires du logement depuis moins de 12 mois et dont le montant des travaux subventionnés est supérieur ou égal à 10 000 euros hors taxe. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le point suivant concerne des demandes de subventions suite aux dégâts subis par les inondations les 22 et 23 octobre 2019. Donc vous savez que la commune a été classée, été reconnue en état de catastrophe naturelle. On l'a été à nouveau depuis d'ailleurs avec la sécheresse suite aux intempéries et inondations des 22 et 23 octobre dernier. De nombreux dégâts ont été subis sur les bâtiments, les chemins ruraux et la voirie. Donc nous allons récupérer des dotations, j'espère, des différents partenaires État, région Occitanie, département de l'Hérault. Il est donc demandé au Conseil de m'autoriser à déposer auprès des différentes parties prenantes, des différents contributeurs, des demandes de subventions visant à financer la réparation des dégâts occasionnés. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la modification des statuts de la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le théâtre ? Oh Marion, tu m'en voudras là si je saute le théâtre. Aide au Festival Molière, à toi la parole. Oui, donc on a fait une demande de subvention de 15 000 euros pour le Festival Molière, tout simplement. Et puis on a également fait une subvention auprès du Conseil régional. On a fait également une demande d'aide pour la saison de 30 000 euros. Voilà. Et le Conseil régional nous avait aidé l'année dernière avec la somme de 5 000 euros. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc je peux... Merci. Le point suivant, c'est la modification des statuts de la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée pour l'exercice de la compétence qui correspond aux maisons de services au public. Voilà. Donc c'est l'application de l'article 27.2 de la loi 2321 du 12 avril 2009. Bon, on vous a rappelé les compétences obligatoires de l'aglo. On vous a rappelé les compétences supplémentaires que nous avons prises. Et donc, au 1er janvier 2020, il y a cette nouvelle compétence optionnelle. Donc, on vous a proposé de travailler sur cette dimension maison de service au public qui est tout à fait dans l'air du temps et qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer avec la volonté, par contre, d'y aller de manière structurée et, je dirais, par étapes. Hein, donc, on réfléchit à cela pour que la MSP puisse avoir un site demain à Pézenas, mais ça se fera après les prochaines échéances municipales. Donc, sur cette extension de compétences, est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Donc derrière, nous avons à l'ordre du jour le compte rendu des décisions. Est-ce que ces décisions qui vous ont été transmises appellent des observations particulières? Oui. On avait un tableau sur les marchés publics où on voit des avenants en moins-value sur le foyer des campagnes pour des questions de délai, mais qui sont les avenants de menuiserie. Je pense que ça devait être les fenêtres et les portes qui n'ont pas été changées et qui étaient prévues d'être changées. Est-ce qu'on, en les changeant, même après coup, on ne gagnerait pas en économie d'énergie et en passoire énergétique? Enfin, est-ce qu'on projette quand même si on les a peints après inauguration pour que ça ressemble au reste, est-ce qu'on projette quand même de les changer pour que énergétiquement on ne consomme pas trop avec cette maison du peuple? Ce serait dommage de l'avoir neuve. Et qu'elle soit une passoire énergétique. J'en profite pour souligner, je ne sais pas si c'est réparé, mais je crois qu'il y avait des problèmes de chauffage tant là, et je le dis aussi au gymnase, parce que... voilà. Au foyer de campagne, c'était un vrai problème, et au gymnase, c'était un frigo. Madame Maraval, je vais se répondre. Donc au niveau de l'avenant en plus-value, de mémoire, il doit s'agir des stores et du rideau de scène, en fait. Qui était sur le lot menuiserie. Simplement. Oui, c'est ça. C'est rideau et les stores. Sur des stores, tout est. Oui. Bien sûr. Oui, en moins-value, parce qu'en fait, au départ, c'était inclus dans le lot menuiserie, donc par l'entité ROC, la société ROC. Et au fil du marché, il s'est avéré qu'ils n'ont pas pu travailler avec le fournisseur et donc on est passé directement avec le fournisseur. Donc il n'était pas prévu de faire les fenêtres et les portes? Non, pas du tout. Ok. Donc voilà, ce n'était pas prévu à la base de refaire Non, parce qu'elles ont été changées il n'y a pas très longtemps et elles n'étaient pas en mauvais état à l'heure actuelle, donc ce n'était pas prévu, effectivement. Et en ce qui concerne le chauffage, ben, on a fait preuve de malchance. En fait, on a eu une voie d'eau suite aux fortes pluies du 23 octobre. Et malheureusement, il y a eu 80 cm, ce qui a compacté le granulat bois. Et donc, quand on a voulu l'enlever, c'était vraiment des cailloux. Mais bon, tout est fait et les moteurs, a priori, ont séché et ça devrait repartir. Voilà. Mais ça a nécessité un peu de temps parce que pour évacuer le granulat compacté, ça n'a pas été si facile non plus, mais c'est fait. Gymnase. Le gymnase, je ne peux pas répondre, je m'excuse. C'est M. Mazot qui m'en a parlé et donc on lui dira de nous faire un retour précis sur la situation parce que c'est vrai que c'était très inconfortable. On a été alerté là-dessus. Ce week-end, vous avez vu aussi des fuites d'eau à partir de la butte du château. Il y a eu une surverse importante du réservoir d'eau. Vous savez qu'on a le principal réservoir de la ville, c'est le réservoir de la butte du château. Et la connexion avec la station de pompage a été perdue. Donc on a regardé comment on pouvait éviter pour l'avenir ce type de perte de connexion en ayant une résilience pour les liens entre la station de pompage et le réservoir. Donc là, ça signalait pas que c'était plein, donc derrière, ça a versé. On a eu pratiquement 260 mètres cubes par heure qui étaient déversés du réservoir, donc ça a fait des inondations au boulevard Voltaire, ce qui a amené l'agglo à ouvrir aussi des poteaux d'incendie à un moment donné. Hein. Vous avez peut-être vu qu'il y avait... pour laisser passer cette eau qui était un vrai... Donc c'est un pompier qui a fait ça, puisque c'est Archambault qui s'en est occupé, donc ça a été fait avec sérieux. Mais on a eu vraiment un problème. Ils sont allés après avec la barque, comme avant, à la station de pompage. Ils ont arrivé, ils sont parvenus à déconnecter. Mais c'est vrai que ça a fait des grosses fuites d'eau à partir du bassin, donc dans la ville de Pézenas, jusqu'à dimanche matin et toute la nuit de samedi. Voilà, il n'y a pas eu d'incidence au réseau chez nous. Par contre, il y a eu des coupures d'électricité à Homé et à Castelnau. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les... Oui. Non, moi, je voulais poursuivre sur la maison du peuple par rapport aux portes extérieures. La porte principale, bon, il n'y a pas de souci, mais les deux portes à côté ont été repeintes, mais il y a du bois qui était pourri. Donc il y a quelques petits travaux qui ont été apparemment faits, mais j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Alors je crois qu'il faudrait quand même se préoccuper de remplacer au moins le bois qui était pourri en bas avant de passer de la peinture dessus. Merci pour le signalement. Et sinon, on est ravis
hein, du foyer des campagnes, je crois qu'il faut se le redire. Tous, on a eu le festival Texte en scène, Marion, je pense que c'était la nouvelle formule a été appréciée. Oui, tout à fait. Juste le chauffage manquant a été un peu énervé, mais... Non, mais je crois qu'ils sont, ils étaient très contents et d'utiliser en plus de revisiter les lieux en utilisant pour des scénographies uniquement le gradinage en bois en haut, par petit groupe. Enfin, c'était rien de plus à dire. Je suis ravie, en tout cas que je crois que ça plaît et je suis très heureuse parce que c'est toujours, je trouve que c'est toujours un défi de. Au nom de la collectivité, d'embellir, et on ne sait pas toujours si on va réussir dans cette vision, et je suis très contente en tout cas que ça plaise. Voilà. Très content avec Texte en scène aussi qu'on puisse relancer cette approche, le festival de littérature jeunesse qui est importante pour Pézenas après l'arrêt de la Maman des Poissons, donc ça repart dans le bon sens pour l'avenir. Et je voulais remercier Valérie Maraval et Marion Aldier qui ont fait un travail formidable avec une constance incroyable tout l'été au chevet de ces travaux. Voilà. J'ai des questions sur les décisions du maire et sur les locations de l'échoppe par la ville, qu'elle se loue ensuite. D'abord, une question technique, enfin une remarque technique ou juridique, je ne sais pas, mais il y a une des décisions qui doit concerner le 9 Place Gambetta, mais dans le texte, il y a marqué 11, puis on sous-loue le 9, et surtout, il y a marqué on le loue jusqu'au 3 mars 2020, et on le sous-loue pour un an à la personne. Donc, je pense que les décisions sont à reprendre, c'est uniquement technique, mais... autant que ça soit sécurisé. Ce qui me préoccupe plus, c'est que ce mécanisme-là, l'agglo le fait à Agde et elle ne le fait pas à Pézenas. Parce que l'agglo, elle loue des ateliers à Agde qu'elle sous-loue ensuite. Et l'agglo, elle devrait intervenir de la même manière à Agde et à Pézenas. Et une fois de plus, c'est comme pour l'acquisition de locaux, le Picénois est défavorisé par rapport à l'Agatois. Je ne dis pas que l'équilibre il doit être à 50-50. Ça, j'ai conscience que... il ne le saura pas. Mais quand l'agglo achète 1 million d'échoppes à Agde, elle en achète 0 à Pézenas. Je rappelle les chiffres quand même. Et là, quand l'agglo sous-loue, et il faut raconter pour combien elle sous-loue pour un certain montant à Pézenas, à Agde, elle ne sous-loue rien à Pézenas. Et ce n'est pas à la ville de faire ça si l'agglo a cette compétence-là et si elle agit sur son territoire et sur le territoire agatois avec cette compétence-là. Et la ville n'a pas à se suppléer à l'agglo. Autant je comprends le mécanisme et je le soutiens, autant je pense que ce serait à l'agglo d'être la locataire. Merci pour le soutien au mécanisme, mais simplement l'agglo n'a que la compétence métier d'art. Ce qui s'est passé sur les locaux concernés, on va réviser la convention, c'est que là nous ne sommes pas sur une compétence métier d'art. Donc on est dans une logique artistique où on a voulu travailler sur des métiers qui permettaient de valoriser cette façade et l'hôtel de flotte de Sébazan, parce qu'on avait quand même un souci de qualité sur la place Gambetta, donc c'est ce qui est soutenu certainement. Après, l'agglo, elle a la compétence métier d'art, elle n'a pas la compétence gestion de commerce ou art plastique, mais sinon, on pourrait très bien faire intervenir l'agglo. D'ailleurs, on est en train de demander à l'agglo l'acquisition de l'immeuble de la maison Grimal. Hein, on va demander, donc l'agglo a acheté récemment, vous le savez, le local de Jean-Claude Marsal dans la rue Conti. L'agglo va louer pour 2 ans et quelques pour faire un test le local de la place du marché 3-6 où on avait un souci de commercialité, local que vous connaissez bien et qui est vide en hiver. Qu'on va réhabiter. On a une réunion demain, d'ailleurs, à 9h, avec les services pour travailler là-dessus, sur la vie de ce lieu, parce que l'intérêt, c'est de faire un point chaud. Si le coworking faire venir peut-être ta voisine actuelle, là, ou quelqu'un d'autre, qui cherche une échoppe, qui fait les bustes de Molière, et commencer en même temps à donner un signal sur Molière. Ce fut ta voisine. Donc, je m'excuse, c'est personnel, tu vas me dire. Qui donc ? Et Verrier et qui est là à l'année, oui. Alors que certains artisans des échoppes municipales sont pas ouverts à l'année, lui, je crois, atteint une échoppe depuis... J'ai pas vu. Franchement, j'ai pas vu parce que c'est quelqu'un que je connais en plus, que j'apprécie et j'ai pas vu. Donc, j'ai pas vu de demande. J'en parlerai demain à Cathy Bott sur cette remarque-là. Mais l'idée, c'est faire un point chaud avec quelques artisans d'art qui exposent, qui se relaient et derrière, faire un petit point de coworking sur la place du marché des 3-6 pour avoir un point chaud dans l'attente de la réponse que nous devons avoir devant aussi de l'immeuble de la rue Jean-Jacques Rousseau où nous avons ce
problème donc d'enchères. On a acheté aux enchères avec un recours qui a été fait contre l'acquisition aux enchères. Donc on attend de voir les résultats du recours, mais ça aussi, ça ferait un point chaud, une accroche forte pour la ville. Et il y a d'autres projets d'acquisition avec l'agglo qui sont en cours. Hein? Ah, d'accord. Et il y a d'autres projets d'acquisition qui sont en cours. Donc l'idée, c'était de dire, à un moment donné, il y avait un retard fort d'Agde en termes d'équipement de métiers d'art, et c'est dans ce cadre-là que l'agglo a mis le paquet sur la commune d'Agde. Aujourd'hui, ce retard, il est rattrapé, et l'agglo mettra le paquet sur la commune de Pézenas. C'est l'engagement qu'a fait le président de l'agglo. Voilà, on va continuer comme ça à dérouler. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions... Juste, oui. Juste un point... Un petit point de M. Verdeil. Concernant la promenade du Pré, oui. C'est pas un petit point. Une personne m'a fait remarquer qu'il y avait des difficultés par rapport au stationnement qui avant était en épi, oui. Et qui maintenant n'est plus en épi. Oui. Et que donc il faut faire des manœuvres c'est très vrai. Importantes pour arriver à se garer. Voilà. C'est vrai, c'est un... Moi, j'ai eu les mêmes remarques que toi. C'est très peu pratique. Bon, il faut expliquer pourquoi. Et Mme Maraval peut nous rappeler la demande des services de l'État qui nous a amené à obtenir quand même, par la réponse qu'on a faite, un avis favorable au bout d'un certain temps, comme dirait l'autre, mais d'un trop long temps. Mais par contre, il y avait des contraintes et je vous laisse le soin de les exposer. Donc effectivement, ce dossier, pareil, on l'a commencé à le travailler l'année dernière précisément. La difficulté, c'est que les services de l'État considèrent que c'est un site classé et donc souhaitent qu'il reprenne sa configuration d'antan, donc les quatre alignements de platanes, ce qui aujourd'hui ne correspond pas forcément aux besoins de la ville, puisque ce parking fonctionne et est mis à disposition des Piscénois. Et il n'était pas question de créer un vrai parking en enrobé, puisqu'il fallait qu'au maximum, l'aménagement proposé soit réversible. Donc ce qui a été fait, c'est d'une part de préserver aussi l'espace, les platanes restants, les caniveaux qui faisaient partie du système d'irrigation pour les platanes au moment de leur plantation. Donc on voit encore des pavés qui subsistent. Donc il a fallu qu'on repartage, qu'on reventile l'espace de façon différente, avec, si vous avez remarqué, deux circulations piétonnes le long des murs, donc côté Maréchal Leclerc et côté Payne. Ensuite, donc, ça permettait premièrement de protéger les platanes, les caniveaux et bien sûr les piétons. Ensuite, donc, il y avait les places de stationnement qui font 5 mètres qui sont réglementaires, la voie de circulation qui est aussi de 5 mètres réglementaire, et au milieu, normalement, subsiste qu'une voie de stationnement parallèle à la Payne et à la voie de circulation au Maréchal Leclerc. Ensuite, revoie de circulation et à nouveau des places de stationnement. Forcément, cette contrainte répond aux obligations de l'UDAP, puisque en essayant de favoriser les piétons, de conserver les arbres, ben, naturellement, on perd de l'espace. Donc, on ne pouvait pas maintenir la deuxième rangée de voitures. Alors, j'ai pu remarquer qu'il y avait toujours des voitures garées, mais sauf que forcément, ça rend l'aménagement peu pratique, puisque les distances réglementaires et obligatoires pour pouvoir manœuvrer n'y sont plus forcément. Mais la question n'était pas là. La question était sur le stationnement en épi sur les côtés. De chaque côté. Oui, mais là, les places ne sont pas dessinées. Donc, je pense que c'est. On peut aussi se garer en épi. Simplement, ben, on perdra un petit peu de place à l'entrée et à la sortie. Apparemment, les gens, on leur dit de se garer face au mur. Et c'est pour ça que ça nécessite des manœuvres importantes. Alors qu'effectivement, en arrivant à se garer en épi, ça n'était pas le cas. Alors, peut-être faut-il expliquer aux gens qu'ils peuvent se garer en épi et pas. Comme ils le font actuellement, je ne sais pas, il y a peut-être un problème pédagogique à mettre en place. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est tester le dispositif hein, par rapport au revêtement, parce qu'on avait des inquiétudes, parce que l'absence de chaux ou l'absence de chaux donc exigée par l'UDAP nous posait un problème de stabilité du revêtement. Donc on regardait déjà comment le revêtement tenait par rapport aux contraintes que l'État nous impose, encore une fois. Et en fonction de ça, derrière, on pourra l'aménager effectivement d'une manière ou d'une autre. Mais on a de fortes contraintes de l'UDAP qui font que effectivement le schéma actuel, il n'est pas conforme, il ne peut pas durer. Donc on va réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Et la remarque sur le stationnement en épi avait été faite et sera étudiée.
Hein, il faut vraiment qu'on le revisite un coup. Autre chose, donc, on a gardé hors de l'aménagement la partie bouliste, vous l'avez vu, parce que là, c'est l'endroit où les arbres sont encore, je dirais, sauvables. Donc, on a essayé de... Ce sont quand même les bagnoles qui ont tué les arbres, hein, clairement. Donc, on a essayé de garder cette partie-là sans trop de stationnement. Bon, là, c'est perturbé encore avec la foire, parce que ça nous fout un peu de beans. Mais bon, on va voir après comment on réfléchit à tout cela, nouvel aménagement, dès lors qu'on aura vraiment connaissance de la stabilité du lieu. Autre information, tant qu'on est sur ce site, suite à ce que demande M. Verdeil, on va lancer le projet de requalification de l'halte routière aussi, hein, qui est depuis longtemps dans les tuyaux, où on a eu des problèmes pour ne pas laisser la halte routière en l'état. Donc ça sera, c'est des chantiers qui devraient démarrer très rapidement. Oui. Vous parliez de la solidité du revêtement. J'ai l'impression que la bande centrale quand même a déjà un peu souffert en quelques jours. Est-ce que techniquement, les revêtements qui sont sur les côtés, cette terre de pignon, je présume, ou jaune en tout cas, n'est pas plus solide que le revêtement central? Parce que j'ai l'impression qu'il ne tiendra pas longtemps et qu'on va retrouver... Alors, on ne sera pas dans les proportions qu'il y avait il y a quelques semaines en arrière, mais ça commence déjà à gratter, quoi. La problématique, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Faire un aménagement réversible, c'est tout à fait en contre-indication avec normalement les règles de stabilité d'un parking où on fait des sous-couches, on fait une infrastructure solide et dessus on peut mettre de l'enrobé ou même des dalles alvéolées qu'on aurait pu remplir de gravillon avec un aspect tout à fait conforme au niveau visuel. Tout ça nous a été refusé. Donc, non. Mais non. Ça a été proposé, ça a fait l'objet d'échanges et ça a été refusé. Donc du coup, qu'est-ce qui nous reste ? Ben, le tricouche. Alors avec le temps, si vous voulez, l'émulsion va englober les gravillons et ça va se colmater. Plus on va rouler, ça va être un peu mieux. Mais ça ne sera ni de l'enrobé, ni des dalles alvéolées. On n'a pas eu le droit, donc on a fait au mieux en fonction de ce qui a été autorisé. Ben oui, mais ça, il n'y a pas eu moyen, donc... Si, si, ils connaissent, mais pas dans ce lieu, c'est classé, voilà. Donc c'était, ça sur la tête, vraiment... 86, je te l'ai dit déjà, non ? On nous a remis sur la tête l'aménagement de l'halte routière en 86, et tout a été conditionné sur le fait qu'à l'époque, la ville, tagada, tagada, on est revenu sur il y a 33 ans en arrière, donc c'est compliqué de discuter. Et l'alvéolé, moi c'était la solution, hein. C'était idéal. On mettait l'alvéolé, je veux dire, on mettait quelque chose dessus, ça stabilisait le revêtement. Ils veulent pas, ils ne veulent pas. Donc même en insistant sur la réversibilité du dispositif, on n'a pas pu réussir à avoir ce discours-là. Là, pour l'instant, il y a ça, on va regarder, on leur montrera aussi comment ça fonctionne, ou comment ça fonctionne pas, comme le disait Armand. J'espère que ça va quand même rester... J'espère que ça va rester quelque chose de sympathique. Mais on est vraiment dans les contraintes qui ont été fixées par l'UDAP, qui est très, très, très contraignante en termes de chaud, notamment par rapport à... L'idéal, c'était les alvéoles. Hein. Moi, c'est ce que je demandais dès le début. On mettait le paquet, on mettait une fois pour toutes les alvéoles à l'emplacement des véhicules. Le problème était réglé. Donc après, on peut peut-être y revenir tous ensemble à un moment. Mais ça sera une autre histoire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci et bonne soirée à toutes et tous.